accidentellement, je me suis intéressé à la préhistoire, c'est qu'en allant à la marée, et j'ai trouvé un petit grattoir qui était posé sur la vase, et donc je l'ai trouvé d'une forme tellement jolie, je me suis senti obligé de le ramasser. Et je me suis aperçu que ce n'était pas la nature qui l'avait fait, parce qu'on voyait plein de petits éclats bien organisés, parallèlement, enlevés parallèlement les uns après les autres. Je me suis aperçu quand même que ça pouvait être que l'homme qui l'avait fait. Et comme je connais un copain qui faisait de la préhistoire, que donc moi j'en faisais pas, je suis allé le voir et lui m'a dit « Ce que tu viens de trouver, c'est un petit grattoir néolithique. » Comme je suis très curieux et j'aime beaucoup ce qui est beau, il faut reconnaître quand même que l'homme préhistorique, il a fait des très belles pointes de flèche, il a fait des très beaux outils. Ça m'a attiré à faire la collection, à faire de la collection en préhistoire. Et après, je me suis dit, enfin, toi qui aimes bien faire la trouver des techniques, parce que tu fais de la sculpture, tu fais plein de choses, tu devrais faire des recherches pour reconnaître l'intelligence de l'individu par rapport à nous, s'ils étaient très intelligents ou moins intelligents, parce qu'on les a fait passer pour des hommes assez frustes, hein, cérébralement, les hommes préhistoriques. Et je me suis rendu compte, plus que je trouvais des outils, je me suis rendu compte qu'ils étaient, pour moi, ils étaient très intelligents. Parce que, pour une raison, c'est que j'ai cherché plein de trucs et je ne voyais pas comment on pouvait reproduire ces outils. Des hameçons, des pointes de flèches, des perçoirs. Et alors, comme il y avait beaucoup d'archéologues qui savent beaucoup tailler, mais c'est surtout beaucoup des gros outils, c'est là que je me suis mis à faire de la recherche. Je me suis dit, pour retrouver l'intelligence de l'individu, il va falloir que j'obtienne les mêmes réflexes avec les outils, que j'obtienne les mêmes degrés d'inclinaison, et ces degrés d'inclinaison, il faut qu'ils correspondent par rapport à l'outil qu'a fait l'outil. Autrement dit, l'outil qui est agressé par les éclats, les stigmates correspondent par rapport à l'éclat. C'est comme une couche qui est concave, qui est convexe. Elle ne peut enlever que des éclats concaves et convexes. On ne peut pas enlever des éclats autrement que la forme de la couche. Alors je me suis basé sur un truc vrai, logique. Là, ça veut dire que c'est grâce aux outils que tu avais collectionnés, des outils donc du néolithique, que tu as pu vérifier que les stigmates étaient les mêmes. Quand tu faisais quelque voilà, chose. C'est grâce aux outils que je vais pouvoir expliquer par la suite. Mais j'ai beaucoup travaillé, parce qu'on sait toujours que tout se mérite, on n'a rien sans rien. Et mais c'est surtout qu'il faut, sans arrêt, construire avec des hypothèses, mais il faut que ces hypothèses deviennent logiques. Aucun compresseur n'a jamais taillé par pression dans la main. J'en ai trouvé des centaines et des centaines, et je peux tout expliquer. Et pourquoi par rapport au stigmate, que c'est faux ce qui se dit, on ne peut pas tailler par pression à la main. Parce que l'image qui était expliquée, enfin qu'on avait en tête, c'était l'homme préhistorique qui taille, qui dégrossit son silex par percussion, et puis ensuite qu'il l'affine dans sa main par pression. Voilà. Et ça, c'est ta première... un petit outil. Quand tu as vu ça, tu t'es dit, c'est pas possible. Oui, la main. Moi, je me suis rendu compte que j'ai lu beaucoup de... je critique pas, hein. Chacun fait sa recherche comme il veut, hein. Mais moi, la mienne, elle est très logique. C'est impossible de faire autrement, hein. Moi, je vais te le prouver. Pour une raison, je vais t'expliquer par rapport aux outils qui ont été faits. Hein. Je peux prouver que c'est faux. Ça veut dire que je vais te le prouver que c'est pas possible. Tu vas comprendre, ça se comprend tout de suite. Les archéologues n'ont jamais voulu me voir parce qu'ils ont dit, oh ben celui-là, ils connaissent mon pétigré à la Société préhistorique française. Hein. Mon pétigré, c'est Christian Ricou, un ostriculteur à la retraite. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je n'ai pas suivi d'études. J'ai eu une vie chaotique, mon père est mort à l'asile suite de guerre, hein. Il est devenu fou, donc je n'ai pas pu suivre d'études. Ça veut dire que quand on ne peut pas suivre d'études, eh ben c'est qu'on on a été malheureux. Bon, alors, la taille par pression à la main, ça, c'est faux. Parce que vous avez des pressions par rapport à l'épaisseur de l'éclat
et au degré à donner par rapport à l'outil qu'on fait, jusqu'à 45 kg de pression. En petit objet, mais qui sont très épais, 45 kg de pression. Vous allez me dire, mais comment vous pouvez dire ça, 45 kg de pression? Eh bien, je vais faire comme ça, Cosy, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Hein. J'ai mis un morceau de bois sur un petit pèse-personne. J'ai enlevé la tare. J'ai mis mon éclat que j'ai voulu tailler, qui était épais ou pas épais. C'est pour ça que je connais les pressions, les kilos de pression par rapport à chaque épaisseur de chaque outil que j'ai voulu tailler en épaisseur. Hein. Et j'ai taillé par pression. Voilà. Et par rapport à l'épaisseur de l'éclat, ça m'a marqué les kilos. Mais j'ai taillé jusqu'à 45 kilos de pression, et même un peu plus. On pourrait dire que je suis un prétentieux, mais il ne pèse personne, il a lui. Hein. Lui, mais pas lui. Hein. Et croyez-moi, il faut être costaud des épaules. Mais les épaules, je fais de la gym exprès pour être costaud par rapport à l'âge que j'ai. Je suis obligé. Hein. Sans ça, je ne pourrais pas le faire. Quoi. Mais moi, j'ai la preuve que ça n'a jamais pu se faire par pression dans la main. Et pourquoi ça n'a pas pu se faire par pression dans la main? Parce que vous avez une multitude de degrés d'inclinaison qu'il faut faire pour pouvoir donner la pression. Et en plus, la particularité du support bois, c'est que lui, il est souple, et qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe l'onde de choc. C'est pour ça que les pointes de flèche, en général, ils ne veulent pas le tailler sur des supports en pierre, parce que le support en pierre est dur. Et il peut y avoir des glissements quand on fait la pression, et ben on casse, hein. Pas de secret, hein. Bon, alors déjà ça, le support en bois, lui, absorbe l'onde de choc, c'est-à-dire que l'onde de choc est absorbée par le bois, ça veut dire que ça ne reste pas dans l'outil que vous taillez. Donc, ça évite de casser. Voilà, et la particularité que le bois a en plus, c'est que par rapport au degré d'inclinaison qu'on veut donner, hein, les impuretés de taille des éclats qui ont été enlevés se ancrent dans le bois et vous pouvez donner tous les degrés d'inclinaison que vous voulez et l'outil, quand vous faites votre pression de 45 kg, s'échappe pas parce qu'il est ancré dans le bois. Il est ancré dans le bois, pourquoi? Parce que le bois est souple. Ça ne peut pas se faire dans la main parce qu'il faut donner des degrés d'inclinaison. C'est impossible. Donc pour arriver à cette conclusion, tu as fait plein d'essais sur Hong Kong. Ah bah des multitudes. Et vous savez, tu sais, ici, on ne sait pas se remettre en question, c'est pas la peine. Hein. Des centaines et des centaines et des centaines. Moi, je suis un manuel, j'aime bien la technique. Si je veux que ma main puisse le faire, je cherche par des hypothèses. De toute façon, c'est pas difficile. Le travail manuel, c'est un jeu de construction. Si on n'en comprend pas la construction, la main ne peut pas le faire. Et je fais beaucoup de choses, je sais comment il faut penser pour que la main puisse le faire. Hein. Mais je pense toujours au départ, en hypothèse. Mais il faut que ça devienne logique. Et tant que ce n'est pas logique, je me remets en question. Et des centaines et des centaines. Et quand j'ai trouvé le vrai geste, en plus, quand j'ai retrouvé le vrai geste, je me remets en question pour essayer de retrouver des choses que j'ai pas vues, que ça pourrait se faire autrement, etc. Que ça correspondrait quand même au stigmate de mon outil qu'il l'a fait. Parce que ça, c'est le plus important. Moi, j'ai trouvé par rapport au stigmate de l'outil qu'il a fait. Les stigmates de l'outil correspondent toujours par rapport à ce qu'il a fait. Et il est usé par les agressions des éclats qu'il enlève. Et par rapport aux éclats enlevés, on sait s'il a travaillé à tel degré, tel degré, tel degré. Ou s'il a travaillé à brut, il est usé de façon à ce que l'éclat, la graisse, en taillant à brut. Toujours pareil. Ça correspond par rapport à chaque degré donné. On ne peut pas se tromper. Si on a étudié l'outil qu'a fait l'outil, on ne peut pas se tromper. C'est impossible. En se remettant en question, c'est impossible. Ça veut dire que tous les outils réels de ta collection, tu les as observés très précisément pour voir leurs traces d'usure. Oh là là! Oh, c'est dingue! Ma femme me dit, mais tu les connais pas, ces outils, depuis le temps que tu les regardes à la loupe!
Donc quand tu t'intéresses à cette taille par compression sur enclume bois, ouais. Est-ce que tu arrives à faire des petits objets ? Ah ben, les petits objets, j'en fais qui sont presque microscopiques. Et par pression, hein, parce que vous ne mettrez pas une machine dans du silex. Hein. Les archéologues doivent le savoir, parce qu'ils ont bien dû essayer. Hein. Hein. Et moi, j'ai fait des petits outils, et regardez, une pointe de flèche. Regarde, une pointe de flèche. Elle est toute petite. Elle a été faite par pression. Mais pour faire petit, moi avant, je ne connaissais pas le compresseur en cuivre. J'ai fait des haleines. Il y a des années et des années et des années, des haleines en silex qu'on peut voir. Et on peut tailler petit. Mais il y a une technique qu'on est obligé de faire sur ces haleines, sinon en taillant avec l'outil qu'on taille peut agresser la laine et enlever et tailler la laine. Et pour pas qu'elle soit taillée, il y a une technique à donner. La technique à donner, c'est pas moi, je l'ai observé sur des haleines préhistoriques que personne ramasse. Voilà, il faut enlever toutes les impuretés qui va empêcher de l'outil que Stalin taille se croche dans le pointu, si on ne veut pas qu'elle s'auto-taille tout seul. Les archéologues disent, ah ben oui, ça c'est des perçoirs, oui, des perçoirs. Le fêté, c'est des perçoirs. En forme, on pourrait croire que c'est des perçoirs. Il y a des perçoirs, ça c'est sûr. Mais le perçoir, il est caractéristique par son usure. Le perçoir, lui, quand vous tournez dans du bois ou dans n'importe quoi, il se lustre. Là, il paraît lustré, mais il n'y a que la pointe qui est lustrée. Il n'y a pas les côtés qui sont lustrés, donc il n'a pas percé. Il faut savoir faire tous les... Hein, si on ne sait pas faire les déductions, c'est sûr qu'on va dire que c'est des perçoirs. Hein. Mais ça, c'est une culture aussi de savoir faire les déductions. Hein. C'est de la logique, ça. Hein. C'est pas des hypothèses, ça. Hein. Une hypothèse, il faut qu'elle vienne logique. Et qu'elle soit vérifiée par l'observation des... Par l'observation et l'utilité. L'utilité de s'en servir. Pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Hein. Donc, grâce à ces haleines en silex... J'ai pu tailler les premières pointes de flèche. C'est-à-dire que quand on fait les pointes de flèche, eh ben pour tailler et faire entre les ailerons, il faut bien qu'il y ait quelque chose de pointu. Il faut que ça corresponde par rapport à l'outil. Il faut que la laine corresponde par rapport à l'outil. Vous avez une haleine des hommes préhistoriques qui ont fait les pointes de flèche à pédoncule qu'on trouve dans les sépultures armoricaines. Les pointes de flèche armoricaines qu'on trouve dans les sépultures, hein, on les trouve en Bretagne, hein, on les trouve, et ces pointes de flèche à aileron et à pédoncule, et que les ailerons ressortent pas du pédoncule, hein, le pédoncule est à l'intérieur dans la longueur, les ailerons correspondent à la longueur du pédoncule, qui est à l'intérieur des ailerons, le pédoncule qui est à l'intérieur. Là. Moi, je m'en fous des pointes de flèche armoricaines. Qu'elles soient telle forme mesurée, tout ça, on fait des grilles, tout ça, j'en ai rien à foutre, moi. Ce qui m'intéresse, c'est la technique. Voilà, c'est le même principe. Voilà. Quand les hommes, quand les chercheurs seront taillés, des pointes seront taillées des hameçons, ça, je vous garantis qu'ils seront taillés les pointes de flèche armoricaines. C'est identique, c'est les mêmes techniques. Mais alors, des techniques, mais surtout une chaîne opératoire strict, strict, strict. Et savoir se remettre en question. Là, je vais vous dire, là, regardez. Des hameçons doubles. Vous voyez les hameçons doubles? Bon, ben les hameçons doubles. Quand on sait tailler ça, on sait tout ce qui est petit, on sait le tailler. Hein.
La pression, elle est toujours la même. C'est des poussées qui se font par degré d'inclinaison ou horizontales ou verticales. Mais l'outil est toujours usé par rapport à ce qu'il a fait. Toujours, toujours, toujours. Surtout, bien remarquer ça, toujours. Et s'ils avaient étudié les outils qui font les outils, eh bien, il y a longtemps qu'ils auraient trouvé qu'ils seraient taillés des hameçons et des pointes de flèches armoricaines. Parce que c'est le même principe. Quand on sait faire une pointe de flèche armoricaine, on sait tailler un hameçon. Quand on sait tailler un hameçon, on est capable de faire une pointe de flèche armoricaine. Vous voyez ? Tu vois là ? C'est à la longueur de ça. Hein ? J'ai fait quel truc comme ça ? J'ai même pas cherché à faire une pointe de flèche armoricaine. Mais je connais la chaîne opératoire. Là, tu vois, les ailerons sont pas plus épais que le pédoncule. Pas plus large que le pédoncule, les ailerons. Mais il y a une chaîne opératoire pour pas casser. Et cette chaîne opératoire, c'est pas difficile. Je sais même pas si je dois le dire, hein, parce que il n'y en a pas un qui est voulu venir me voir. Ils m'ont pris tous pour un con. En plus, je suis peut-être pas poli, mais moi, je dis ce que je pense. Hein. Alors, ils ont dit, c'est un paysan, celui-là. Et j'ai été refusé près de 2 ans à la Société préhistorique française. Quand j'avais dit que les galets aménagés, qu'ils n'avaient pas été... ils n'avaient pas été élucidés à quoi ils servaient. Et personne n'est ramassé, les galets aménagés. Parce que c'est des galets aménagés, hein, qui sont très bien aménagés, même s'ils ne sont pas bons dans leur aménagement, mais qui ont une utilité efficace. Hein ? Et j'ai été près de 2 ans refusé, en plus, pour 3 pages. 3 pages d'explication avec les dessins. Et quand j'ai dit que tout ce qui était petit ne pouvait pas se tailler par pression dans la main, ça ne leur a pas plu. Et ils m'ont dit, ah ben monsieur Ricou, vous annoncez dans une petite société départementale ou régionale. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai trouvé un truc. C'est un truc que j'ai trouvé pour le monde entier. Alors, les galets aménagés, je vais vous donner une explication. Moi, j'ai trouvé la taille par pression, par levier. Je suis allé voir M. Joussaume, qui était directeur du CNRS de Rennes, très gentil, qui m'a reçu aimablement. Hein ? Et je lui ai montré quelques gestes par rapport à ces outils qu'on travaillait par pression, par levier. Parce que pourquoi j'ai trouvé l'outil qui travaillait par pression, par levier, mais toujours sur enclume, bois ou support, bois, par sa souplesse, par avoir le pouvoir d'accrocher toutes les impuretés d'outils qui s'ancrent dedans pour que je puisse tailler dans la main, et tu sais que dans la main, s'il fallait s'amuser, hein, il faudrait 3 mains, et puis même, quel intérêt ? 3 mains, mais le gars, il pourrait pas faire 45 pressions dans sa main. Et puis, comment donner les degrés d'inclinaison pour tenir l'outil ? Impossible ! Alors, faudrait prendre 3 mains, changer les degrés ? Non, mais et les hommes préhistoriques n'étaient pas plus cons que nous, hein. Je m'excuse, hein. Plus intelligents que nous à proportion pour leur survie. Parce que moi, je dis que l'homme préhistorique qui a fait ça, des hameçons à palette, il est équivalent à l'intelligence d'un ingénieur. J'ai pas peur. Si on n'est pas inventif, on ne peut pas trouver ça. C'est pas possible. Là, par contre, j'étais un peu, pour montrer quand même, je veux bien montrer quand même, ça peut paraître peut-être prétentieux, mais je peux montrer quand même aux archéologues qu'ils peuvent s'amener. Hein. Quand ils seront taillés un hameçon avec un ardillon, et j'en ai taillé plusieurs, c'est pas ça qui me dérange. Hein. S'il avait fallu faire une pointe de flèche dans le bout, je l'aurais fait. Hein. Mais là, je me suis amusé. C'est pour montrer que moi, j'ai retrouvé le vrai geste. On ne peut pas faire tout ça si on n'est pas... On peut faire n'importe quoi quand on a retrouvé le vrai geste. Je vais expliquer, par exemple, la taille par pression, par levier. Un jour, je trouve une pointe de flèche pas finie, très épaisse. Mais je taillais déjà. Et...
comme je taillais mes petites pointes de flèche avec des compresseurs quand même, qui étaient... J'avais retrouvé le vrai geste quand même, mais j'ai eu des doutes, parce que dans l'épaisseur, à 45 kg de pression, alors là, j'ai dit, Christian, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Alors, je suis monté dans mon grenier, j'ai vidé mes boîtes de compresseurs, parce que j'en ai... Ça, moi, je ramasse toujours l'outil, à des fois même tirer sans rien, qui est très, très, très important pour découvrir quelque chose avec. Alors, j'ai commencé à regarder, et je me suis aperçu que l'outil qui avait été agressé par les éclats, il est usé par l'agression des éclats, mais je me suis aperçu que plus loin, il y avait un poli ou un rugueux, disons que l'arête a été broutée, quoi, ou polie par le bois, qu'il a travaillé sur support bois, ou support pierre, rugueux, c'était rugueux. Alors, mais je ne savais pas qu'il travaillait sur bois, sur pierre. Mais j'ai dit, alors je l'ai mis, pas lui, je l'ai mis comme ça, et j'ai vu qu'en faisant le geste, il était usé en arrondi. Il était usé en arrondi, et dessous, à force de faire le mouvement, il est illustré, mais très peu par rapport à l'agression que l'éclat avait fait dans l'endroit où il avait taillé. Très peu. D'ailleurs, je l'ai fait voir, M. Jousseau, mais il peut le dire. Hein. Moi, je ne raconte pas, je ne suis pas un baratineur. Hein. Et alors, j'ai pris une vulgaire pierre, avec un fendant quand même désépaissi, comme eux, ils ont taillé. Hein. Et alors, pourquoi ici c'est lustré, ou qu'il a porté, et que l'arête par la taille n'ont pas été enlevées, hein, donc c'est pas l'érosion qui l'a fait, parce que c'est quand même logique, hein, les déductions, ce sont les déductions. Hein. Et donc je me suis taillé le même outil, enlevé des éclats, des épaissies, et je me suis mis à tailler par pression, par levier, clac, 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 clac. À force de tailler, j'ai eu ma petite usure de l'enclume bois, lustrée. J'ai fait sur pierre, j'ai eu la petite usure qui a été agressée par l'enclume, mais très peu par rapport à l'usure du compresseur qui a enlevé les éclats, qui a été agressé par les éclats qu'il a enlevés. Et c'est là que j'ai compris qu'il taillait par pression, par levier. Voilà comment il taillait, par levier. Et là, tu vois qu'il y a des arêtes vives, et regarde que là, c'est usé. Toi, l'arête, elle n'est pas vive, elle est l'usée. Et là, ici, on voit que les arêtes sont vives, pures de taille. Et là, on voit que l'arête qui a frotté sur l'enclume bois est lustrée. Et là, on voit que c'est usé par l'agression des éclats qu'il a enlevé. Alors, je vais te montrer le plan, je vais te montrer le geste par rapport à ce que tu viens de prendre. Voilà. Alors, je le baisse. Je vais attendre, voilà. Et je me suis aperçu, voilà comment il travaillait. Voilà comment il travaillait. Et l'agression correspond en rond, toc, en rond. L'agression que les éclats ont enlevés correspond en rond. Par rapport au mouvement, moi j'ai rien inventé. J'ai fait que de constater par rapport au stigmate de l'outil. C'est lui qui m'a appris le geste. C'est pas moi qui ai inventé le geste. C'est l'outil qui a fait l'outil, qui apprend le geste à l'individu, qui sait bien observer et les déductions justes. Hein. Il fait des déductions justes. Alors, je vais t'expliquer la taille par pression, par levier. Voilà une pointe de flèche qui a une épaisseur plus d'un millimètre d'épais. Ça commence à être épais hein, pour faire petit, hein, un millimètre. Voilà. Donc, je ne pouvais pas tailler cette pointe de flèche que j'avais trouvée, qui était faite en motier, qui était très épaisse, avec les petits compresseurs que je faisais mes pointes de flèche. Alors, c'est là que je me suis dit, y a quelque chose que je n'ai pas vu. Et donc, après, j'ai trouvé la compression par levier.
On peut tailler jusqu'à 3, 4 mm, même plus que 4 mm avec le compresseur par levier. Parce qu'il repose, et puis on peut plier, clac, l'éclat s'en va. Mais à une condition, de savoir faire partir l'éclat, parce que quand on fait partir l'éclat comme il faut que ça soit aminci de l'autre bord. Il faut reprendre de l'autre bord, et comme il est aminci, on peut le ressortir aussi, et à suivre. C'est pour ça que quand on regarde les pointes de flèche et qu'on regarde les hameçons, ça fait des pointes à étoiles, comme ça là, de profil. Parce qu'on enlève l'éclat là, on enlève l'éclat là, on enlève l'éclat là, on enlève l'éclat là. Ça veut dire que dans tous tes essais, tu t'es rendu compte que... Ah bah, après, on dit que l'outil apprend à prendre le geste, d'accord ? Mais faut-il encore étudier l'éclat et comment il est parti, voir si ça correspond par rapport à l'usure de l'outil qui l'a fait, qui a été agressé et qui l'a fait. Faut étudier les deux, mais c'est pas la pointe de flèche qui donne le vrai geste. C'est après, c'est l'outil qui a fait l'outil qui donne le vrai geste. Ben moi, j'avais rien fait en préhistoire, j'ai appris tout seul. J'ai même pas été voir un tailleur. Parce que moi, ça m'intéressait pas. Moi, j'aime bien apprendre tout seul. Enfin, tu avais quand même cherché dans des livres. Ah non, j'ai lu dans des livres. Des explications. Des explications. Mais en travail manuel, hein, faut en laisser tomber. Hein, parce qu'on peut tailler de plusieurs façons. Mais moi, si je trouve une pointe de flèche, je sais si elle a été faite avec un outil en os, je sais si elle a été faite avec un outil en pierre, et je sais si elle a été faite avec un outil en bois ou si elle a été faite avec un outil en cuivre. Alors, comme m'a dit un archéologue, vous ne pouvez pas dire que le bois, ah ben oui, mais le bois, c'est sûr, il est disparu par le nombre de milliers d'années. C'est sûr qu'il est disparu. Mais quand on a retrouvé le vrai geste à travers l'outil, après, on peut faire de la recherche. Ça sert à ça, le CNRS, hein ? On fait de la recherche pointue. Bon, ben moi, c'est ce que j'ai fait, hein, et j'ai essayé toutes les matières. Et pour me prouver si c'est vrai ou pas vrai, il fallait que je retrouve un outil qui était taillé pour telle et telle matière. Et moi, le bois, j'ai essayé le bois. Tant que j'ai rien trouvé, je ne pouvais pas dire qu'il se servait de compresseur en bois. Mais j'ai trouvé trois pointes de flèche qui ont été faites avec un compresseur en bois. Trois pointes de flèche qui correspondent. Alors moi, je n'ai rien inventé. J'ai la preuve qu'il se servait de compresseur en bois. Mais pour trouver tout ça, il faut faire de la recherche. Ça fait comme l'outil, pareil, qui est tout petit. Jusqu'où peut-on tailler par pression sur des petits objets ? On peut tailler par pression avec un outil tout petit, là, les agressions sont faites, les stigmates qu'il y a sur l'outil correspondent à la pression qu'il a fait. Et il n'est pas poli, celui-là. Et c'est pas pour couper les onces en dos. Oh, c'est pas la même usure, ça correspond pas. Alors, moi, j'ai commencé à tailler, j'ai fait de la préhistoire en 1974. En 1976, je savais déjà tailler les perçoirs de pontosière, qui ne peuvent pas se tailler par pression dans la main. Il ne peut que se tailler par pression sur enclume-bois ou pierre. Parce que le compresseur ne correspond pas pour tailler par pression dans la main. Il est biseauté. Moi, j'ai étudié l'outil qu'a fait l'outil. Donc, c'est faux. Tout ce qui est petit ne peut pas se tailler par pression dans la main. C'est impossible. Ça, le gars qui voudra tailler un hameçon ou une pointe de flèche, il viendra me voir, hein, par pression à la main. Mais je parle des petites. Je ne parle pas les grosses. Il y en a qui taillent par pression dans la main, les grosses. Mais ils ont inventé un geste avec des grands manches. Mais ils n'en feront pas 10 par jour, hein, de ces pointes de flèche. Je peux vous le dire. Hein. Ils ont inventé des gestes qui n'existent pas. Oui, l'homme préhistorique a toujours fait des gestes simples, rapides, est très efficace. Contraire à ce qu'on dit, l'homme préhistorique était très rapide pour faire un outil, très rapide. Il y en a qui disent « Ah ouais, mais l'homme préhistorique, il avait le temps. » Beaucoup des gens, ils disent ça, il avait le temps. Hein. Il avait le temps.
Ça a toujours été dans l'homme, ça, la rapidité, l'efficacité, la simplicité. Le geste le plus simple, c'est le plus efficace. Faut jamais employer des gestes impossibles dans la taille, c'est faux. Par contre, il y avait des hommes qui travaillaient rudimentairement, hein, qui étaient très rudimentaires. Mais pour lui, l'outil correspondait. Lui, ce qui comptait pour lui, souvent, il y avait l'homme très maniaque, ça a toujours été de tous les temps, qui faisait le bel objet, qui était très maniaque, et puis l'autre qui faisait le même objet, mais pas si beau. Et s'en foutait, il avait même la même utilité. Et puis pour lui, c'est tout. Il avait des outils assez frustes. Assez... Toi, tu descendrais plutôt du premier. Moi, je suis plutôt du premier parce que je fais quand même de la sculpture et tout ça, quand même. Hein. Je fais plein de choses. Hein. Alors, moi, je sais que manuellement, ils peuvent venir. Hein. Les gars, ils ne vont pas me démonter. Hein, parce que dès que je vais leur montrer les outils et les agressions, ils vont dire, merde, nous, on ne l'a pas vu. On a passé à côté. Ah oui, après, il y a une chose que je voudrais dire, là. Qui ne me plaît pas beaucoup dans leurs écrits. Pour un manuel, eux qui reprennent bien les autres, moi j'aimerais bien les reprendre là-dessus. Pour un manuel, c'est une fausse piste, de la façon qu'ils s'expliquent. Hein? Je vais dire, ça je vais le continuer après, quand ils disent un retouchoir, parce que quelqu'un a trouvé ça, on ne veut pas le contredire, un retouchoir ne désigne pas un outil. Moi, quand je taille une pointe de flèche ou un hameçon, je dis je taille. Quand on fait une forme, on taille un objet. Quand on fait un meuble, on taille les planches, on taille tout. Mais on le retouche quand il est fini. On appelle ça ragré. On le retouche, mais voilà. Par contre, en le retouchant, je désigne l'outil qu'il le retouche. Soit avec du papier vert, soit avec un racloir. Là, je désigne l'outil, mais un retouchoir ne désigne pas un outil. Un retouchoir, ce n'est pas un compresseur. C'est un compresseur que si on retouche la pointe de flèche qui a été faite avant. L'objet a toujours été fait avant, la retouche. Voilà, quand ils enlèvent un éclat, moi, quand je lisais ça, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qui suis un manuel, je ne comprenais pas. C'est une fausse piste, ça. Ça n'existe pas, un retouchoir. Ce n'est pas un outil, un retouchoir. Quand on retouche un objet qui finit, la pointe de flèche, on prend un éclat, on redresse l'éclat, s'il est convexe ou concave, il faut le redresser pour le rendre rectiligne, pour pouvoir faire une pointe de flèche la plus droite possible. Et quand elle est finie d'être taillée, je retouche le pointu, je peux retoucher les ailerons, mais je désigne l'outil avec lequel je fais. C'est un compresseur, je retouche avec mon compresseur. Un retouchoir, ça n'existe pas. Ça, je tiens, j'y tiens, ça. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, ça me démonte. Eux qui reprennent toujours tout le monde, moi, je n'ai pas l'instruction. Ils pourront me reprendre sur certains trucs, sur le parler. Mais pour le reste, ils pourront se lever de bonne heure. Hein. Je peux le dire. Hein. Sans prétention. Hein. Alors, je vais donc te présenter quelques compresseurs qui taillent par levier. Celui-là, il est très gros dans la main. Celui-là, il taille très épais. Il faut qu'il soit ergonomique et il faut qu'il soit gros. Voilà. Ergonomique et gros pour pouvoir enlever des éclats assez costauds dans les retouches qu'on veut faire sur l'outil. Là, vous voyez celui-là. Tu vois celui-là, là. Hein? Ben ça, c'est zéro, ça. Oui, personne ramasse ça. Personne ramasse ça. Personne ramasse ça. Ici, personne ramasse ça. Hein? Personne ramasse ça. Et pourtant, l'usurier, hein. Personne ramasse ça. L'usurier, hein. Personne. Et c'est des compresseurs. On peut tailler avec n'importe quoi en pression par rapport à ce qu'on veut faire. Je dis bien, il faut que ce soit un compresseur préparé par rapport à ce qu'on veut faire, hein, pour qu'il corresponde par rapport à chaque chose. Voilà, alors pour finir, là maintenant, on va finir ça. Voilà, alors je te le présente, c'est un compresseur très gros, à proportion
des autres petits. Mais il n'est quand même pas gros. On ne travaille pas sur des longueurs terribles avec. Ça veut dire que ce compresseur, il est ergonomique. On le prend dans la main comme ça, là, là, comme ça, et on le tient comme ça. Voilà. Et il a travaillé par pression, par levier. Et il a du corps. Quand on appuie dessus, il a du corps. L'éclat est obligé de partir. Moi, j'ai taillé plus d'une vingtaine d'hameçons avec ça. Maintenant, je les taille comme les hommes qui taillaient avec des alènes, hein, les hameçons, hein, avec du cuivre. Alors, la particularité du cuivre, que je n'ai pas parlé, la particularité du cuivre, c'est que le cuivre, lui, il est mou. On ne pourrait pas tailler des hameçons ni des pointes de flèche armoricaines avec du bronze. Parce que le bronze est très dur, moi j'ai essayé, c'est impossible. Il est très dur, il glisse, il ne s'accroche pas. Alors que le cuivre est doux, lui s'écrase sur les impuretés de taille qui ont été enlevées pour continuer à enlever un éclat à suivre. Il s'écrase, et en s'écrasant, il ne s'enlève pas, il reste. Et quand on fait une pression très forte, l'éclat est obligé de partir. D'ailleurs, tu vas le voir tout à l'heure quand je vais tailler. Hein. Moi, je n'ai rien inventé. Hein. J'ai fait que retrouver, c'est pas pareil ça. T'as vu celui-là là ? Celui-là, je te l'ai montré, mais j'ai pas fait voir comment il se tenait. Et au fait, il est bien ergonomique celui-là. Ils ont enlevé des éclats. C'est des malins. Hein ? Au fait, j'ai pas montré comment on le tient. Et comment qu'il peut être court ? Il est très 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 court, mais bien ergonomique, il se tient bien dans la main. Ils ont enlevé pas mal d'éclats, il se tient bien dans la main. Là maintenant, je vais le tenir. On la voit l'usure là ? Pas sûr, hein ? L'usure de l'agression. Bon. Et d'autre bord, il n'y a pas, hein ? L'autre bord, enfin, il n'y a pas d'usure. Hein. Tu peux regarder, il n'y a pas d'usure, là. Il est pur de taille. Hein. Voilà comment il tenait. Hein. Il est mal foutu, comme ça, là. Personne ne ramasse ça. Personne ne ramasse ça. Même pas un archéologue. Hein. Il marche tous les jours dessus. Moi, j'ai vu à Ors, il marchait tous les jours dessus. Je l'ai trouvé à Ors. Il était à l'air libre. On le tient comme ça. D'une puissance. On peut employer une force, déployer une force terrible en pression. Et il est tout court. Là, il a marché comme ça. Il a marché horizontal parce qu'il est usé un peu plus par là et par là. Il a marché vertical et horizontal. Là, il a marché comme ça, en poussé comme ça. Là, et tourné sens contraire. Et il a travaillé horizontal. Moi, je veux faire 40 kg de pression avec un compresseur comme ça. Parce que les butées où se mettent les doigts, il y a des butées que les doigts ne peuvent pas s'échapper. Celui-là, il n'est pas beau. On ne peut pas dire que c'est beau, ça. C'est pas beau comme outil. L'usure de l'enclume, ici, qui va jusque-là, qui est beaucoup moins épais, beaucoup plus mince que celui-là, eh bien, il s'est tenu par levier. Là, l'efficacité de la tenue de l'outil. Regardez, tac, 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 et il est usé arrondi. Tac, il est usé par l'enclume. Il a même descendu bas. Hein. Là, tac, tac. C'est pas une petite puissance, hein, quand vous appuyez fort, comme ça, là. Clac, l'éclat, il est gros, il s'en va. Hein. Il est obligé de partir. Plus c'est long, moins vous faites partir par pression des éclats épais. Plus l'outil est long, moins vous ferez partir. Il est très beau celui-là, comme outil. C'est très beau ça comme outil. C'est vilain, parce que. Mais à l'emploi auquel ils ont servi, c'est un outil très efficace et simple. Ça ressemble à rien, ça ressemble à une pierre, mais les stigmates, hein,
correspondent. Il faut le voir le bout, comment il est. Là, on voit toutes les impuretés, les petits cratères qui se touchent les uns aux autres dans le bout. Il a taillé par pression, et je l'ai trouvé où qu'il faisait des pointes de flèche à la péroche. Parce que moi, je faisais ça au départ. Au départ, je faisais pas des haleines pointues. Au départ, parce que j'ai fait des haleines fur et à mesure pour essayer de me démentir. Fur et à mesure, j'en trouvais. Hein? Mais j'ai taillé les premiers hameçons avec un outil comme ça que je me suis fait, hein, et agressé pareil, hein, en 1978, des pointes de flèche, parce que je fais de la préhistoire depuis 1974, ça fait 39 ans que je fais de la préhistoire, c'est pas d'aujourd'hui quand même. Hein? Hein? Et les hameçons, je les taille depuis 1980, d'après, je peux faire voir même la revue. Tu veux la filmer, la revue? C'est pas moi qui l'ai écrite, la revue, hein. En 1980 qu'elle a paru. Et l'hameçon, il est en fin de préhistoire, à l'époque du bronze, hein. Comme les pointes de flèche armoricaines, d'ailleurs. Je sais comment tailler une hache en pierre dure. Je sais comment on taille une hache en silex, j'en ai fait. Je sais comment on taille des bifaces, hein. Je connais, hein. Le nucléus levallois, hein. J'en ai fait des nucléus levallois pour enlever des éclats et tailler des pointes avec les éclats. Mais ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est petit. Parce que personne n'a su le trouver. Ça, c'est très, très, très technique. Et une chaîne opératoire qu'on est obligé d'exécuter. On ne peut pas faire autrement. L'hameçon, on peut le faire que d'une façon. Pas autrement, ça s'en va le casser, on va le louper. Moi, il m'arrive là, des fois de penser autre chose quand je taille parce que j'ai tellement l'habitude. Eh bien, si je m'éloigne un petit peu de la chaîne opératoire parce que je pense à autre chose, l'hameçon, je le casse. Hein. Sans exception. Hein. C'est la preuve que c'est strict. On peut faire n'importe quoi. Quand on a retrouvé le vrai geste à travers l'outil, mais cet outil-là, il faut qu'il travaille, je répéterai toujours, sur un support en bois, parce qu'il se ancre, et en plus, le bois absorbe l'onde de choc. Si on veut réussir presque 100%, il faut que ça absorbe l'onde de choc. Voilà, alors, je peux faire un requin, c'est de la rigolade quand on a retrouvé le vrai geste, à travers l'outil qu'a fait l'outil. Je peux faire un petit requin. Bon, alors, je monte. J'en ai fait un autre, j'ai profité qu'un éclat ait été incurvé pour qu'il ait une forme à se tenir. Si on le met en vitrine, on le voit mieux. Là, par exemple, je vais le mettre ici. Là. Moi, je ne vais pas le mettre en vitrine, je m'en fous. J'ai profité que l'éclat a été incurvé, je n'ai pas enlevé l'incurvation. Je ne l'ai pas mis rectiligne, quoi. On peut faire un oiseau, on peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Et on peut dire que c'est un jeu d'enfant. Quand on a retrouvé le vrai geste, les pointes de flèche, c'est un jeu d'enfant. Et si un gosse était assez fort pour faire les hameçons, c'est un jeu d'enfant. Seulement, il ne peut pas. Parce que faut avoir trop de... faut être costaud, quoi, pour faire ça. Là. Et j'ai fait un tout petit dauphin, hein, qu'on voit... Hein, pour le tenir, c'est pas facile. Un petit dauphin, hein. On peut faire toutes les formes qu'on veut. Regardez ça, faut pas le casser, ça, hein. C'est encore pire qu'un hameçon, parce qu'il y a beaucoup de taille à faire, et très fin, et des formes, beaucoup de formes. On peut faire tout ce qu'on veut, hein. J'en ai fait pas plus parce que ça m'intéresse pas, hein. Moi je sais, de toute façon je m'en fous, je sais ce que je vaux et ce que je vaux pas, hein. Je sais ce que je peux faire et pas faire.
Hein. Je peux y tailler les formes que je veux. Hein. Mais moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de me gargariser avec de ce que j'ai fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'avoir fait plaisir d'avoir retrouvé la technique. C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que j'ai pas voulu faire voir comment on taille l'hameçon entier, parce qu'il me faut une heure pour le faire. Pour le faire. Alors on va pas s'amuser à passer une heure pour montrer. Hein. Et là je mets. Voilà. Et voilà, mon hameçon est fini. Mais il est trop relevé. Moi, j'aime bien les relever pour pouvoir réussir sans casser. Voilà. Là, vraiment, je suis vraiment en technique pour éviter la casse. Hein. Bon, alors maintenant, je vais prendre un bout qui est moins pointé, une haleine, avec, que j'avais fait une haleine avec. On dit une haleine. C'est un compresseur fait comme une haleine. C'est un compresseur fait comme une haleine. Parce que normalement, une haleine, c'est pour percer du cuir ou tout ce qu'on veut, ou dans du bois, sans tourner, on perce dans des trucs fins. Hein. Voilà à quoi ça sert une haleine, pour percer. Ça, c'est un compresseur en forme d'haleine. Voilà, c'est tout. Quand on force, eh ben, il faut pas que, si c'est trop mince partout, eh ben, ça va se tordre. Donc, il faut y avoir un renfort dans le milieu. C'est pour ça qu'ils l'ont affûté en losange, pour que le milieu soit plus épais que le pointu et sur les côtés. Ça, on peut tailler les flèches qu'on veut, les pointes de flèches armoricaines. Alors, ce que je tiens à dire, surtout, c'est ce que j'ai lu sur le bulletin de la Société préhistorique française. C'est un doctorant qui a écrit sur les pointes de flèches armoricaines, qui sont très belles. L'article est pas mal fait. Mais il y a une chose que j'ai pas compris quand il dit « Je comprends pas pourquoi que les pointes de flèches sont très fines, qui devaient en casser beaucoup. » Ben non, c'est le contraire. Plus que c'est fin, moins on les casse. Pourquoi moins qu'on les casse? Parce que la pression est moins forte. Plus, c'est des petites pressions de 10 kilos, même pas 10 kilos. Hein, alors que les hameçons, on est obligé de faire des pressions de 40 à 45 kilos. C'est pour ça que... ont fait très fines. Pour pouvoir les réussir, plus c'est fin, moins on casse. Alors, ça c'est une haleine dans du cuivre qui n'est pas pointu, parce que c'est pas obligé que ça soit pointu pour faire des hameçons. J'ai pas à passer entre des ailerons, là. C'est beaucoup plus large, un hameçon. Et pour contrôler la taille, toujours un outil court, court, court. Il faut qu'on le tienne comme ça. C'est l'erreur des archéologues. On ne peut pas tailler dans la main quand il faut donner des pressions de 40 kilos. Là, toujours court, travailler court, court. Et les hommes préhistoriques travaillaient court, très court, parce qu'ils dominent bien les formes. C'est pas retouché, ça. C'est pour dominer les formes, il faut enlever, il faut tailler. C'est pas pareil, ça. On entend bien les pressions, hein, là. Hein. Là, il y a à peu près... Il y a pas 10 kilos de pression, là. Hein. On entend bien les coups, mais parce qu'ils sont pas épais. Hein. Et là, celui-là, il est épais. Et tu vois qu'il est en degré, hein, je le mets en degré, hein. Là, regarde là, je vais le mettre en degré pour pas casser là. Tu le vois là? Par rapport aux clés enlevées. C'est ça. Souvent il cassait parce que c'était ou des apprentis ou des gars qui taillaient de temps en temps. Hein. Faut beaucoup tailler pour reconnaître.
comment il faut faire la chaîne opératoire. On entend bien les coups, hein. Ils peuvent s'amener pour faire. Ça peut être pas comme ça dans la main. Hein. Puis d'abord, c'est impossible. Ça, c'est des menteurs. Hein, ils n'ont jamais travaillé la main. C'est eux qui ont inventé ça. On peut tailler dans la main, mais des gros trucs. Et puis, ils ne donneront jamais 40 kilos à part pression dans la main. Non, mais ils rigolent, les mecs, ou quoi? 40 à 45 kilos? Voilà. Le deuxième est fini. Voilà. Et tous les compresseurs prouvent que j'ai trouvé, prouvent qu'ils n'ont jamais travaillé par pression à la main. C'est faux, faux, faux. J'en ai trouvé une multitude. Comment on peut trouver dans un atelier des ciseaux, une multitude de ciseaux, hein? L'outil correspond toujours par rapport à ce qu'on veut faire avec. Toujours. Voilà. Et mon hameçon est fini. Je vais l'affiner là. Voilà. Là, alors là, pour l'affiner, ça, c'est retouché. Là, je retouche, je l'affine. Mais il a été taillé. Voilà. Là, je l'ai affiné. Deux, trois trucs que j'ai enlevés, c'est tout. Mais tout le reste a été taillé par pression. Hein. C'est pas retouché, ça. Et le voilà. Voilà le deuxième. Que j'ai pas fait voir comment je l'ai taillé, comment je débite. Pour une raison, c'est que ils apprendront tout seuls. C'est pas moi le faire voir. Hein. Ils n'ont jamais voulu venir me voir. Alors moi, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, je peux pêcher des anguilles, hein, puis pas des petites. Hein. Celui-là, il est pêcheur. Celui-là, il sera moins pêcheur parce que c'est trop long. Il est trop long. Mais moi, ça m'arrange de tailler long pour me prouver que je sais tailler. Là. Celui-là, il est pêcheur. Celui-là, il ne sera pas pêcheur parce qu'il est trop long. Il y a un déséquilibre par rapport au fil qu'on va mettre. Il est taillé même pas si beau que ça, les hommes préhistoriques, les hameçons. Ça, sans prétention, ils peuvent s'amener. Hein. Voilà. Alors, les fortes pressions, je vais montrer maintenant, sur un éclat. Là. Voilà. Voilà les fortes pressions. Moi, je voyais, tu vois, j'ai un éclat n'importe quelle épaisseur. D'abord, je vais dire, moi, dans l'île d'Oléron, je n'ai jamais trouvé un nucléus préparé pour sortir telle et telle et telle lame. Je les ai tous vus pareil. Un plan de frappe pour faire. Ils enlevaient un éclat pour avoir un plan de frappe. Et après, ils taillaient tout le tour de la pierre pour enlever des éclats. Eh, tu les vois, tous les éclats, moi, ils sont là. Ah. Ah. Moi, je taille n'importe quoi là-dedans. Des pointes de flash touchées, des amincir et tout. Hein. Hein. Des trucs comme ça, moi, je fais, c'est épais, ça. Je peux faire tout ce que je veux dedans. Hein. Par percussion et par pression. Vous avez vu la pression, là, tu regardes. C'est là que j'apprends à lire tout ce que j'ai fait. Hein. Si ça ne correspond pas à leurs éclats enlevés par rapport au compresseur que j'ai trouvé, c'est que c'est faux, il faut que je recommence. Il faut savoir se remettre en question. Alors là, je vais te montrer. Et encore, moi, je suis vieux, hein. Je vais avoir 80 ans. Alors, tu vois tous les éclats, là? Les éclats que j'ai enlevés. Et là, je vais en prendre un plus épais. T'as vu? Bon, je vais en prendre un plus épais. Hein? Celui-là, il est épais, celui-là. Hein? Voilà. Et je leur paye des pouces, moi, s'ils peuvent tailler ça dans la main. Là, on les voit, les éclats enlevés. Celui-là, il aurait fallu que je le dédouble. Celui-là, il fallait que je le dédouble. Le dédouble par percussion.
T'entends les coups quand même? Mais faut savoir que quand on fait une encoche comme ça, là, si je veux faire une encoche là, il faut savoir quand même le mettre les degrés, hein, parce que par l'onde de choc, ça casse. Moi, il porte, celui-là, je l'ai mis avec un sac. J'ai piqué une pointe dans ma charpente et j'ai mis un sac de sable. Et j'ai mis je l'ai fait tenir par une corde, une boucle. 45 kilos. J'ai pas osé mettre plus parce que j'ai eu peur de le casser. C'est quand même pas rien, 45 kilos. Hein. On croirait pas que le silex est si costaud que ça. Faut pas y aller de chance. Par contre, si je le fais tomber, il va casser en miettes. Et j'ai même fait avec des ardillons. Hein. Un ardillon. Faut pouvoir le faire déjà, mais enfin c'est très facile quand on connaît, hein. C'est facile, c'est aussi facile que de faire une pointe de flèche armoricaine. Hein.